Le temps de la vengeance est là. OK? Ce n'est pas que tu vas voir comment ces personnes sont au même endroit pour te moquer, mais c'est juste pour que tu comprennes que tu étais la meilleure chose qui leur soit arrivée. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Tu étais la meilleure chose qui leur soit arrivée. Il y a des personnes qui t'ont connu, ça fait 2 ans. Il y a de cela 2 ans, elles demandaient de l'argent. Elles prenaient même chez toi. Et à l'époque, tu n'en avais pas. Il y a de cela 3 ans, tu n'en avais pas trop. Mais tu savais où tu étais en train d'aller. Tu savais où tu serais en 2024, 2025. Et quand vous vous êtes séparés, ces personnes t'ont fait croire que c'était de ta faute. Mais c'est juste parce que tu avais découvert la supercherie. Tu avais découvert l'hypocrisie, la manipulation. Et tu t'es dit, je ne veux pas ça. Parce que tu as toujours été authentique. Ce n'est pas seulement maintenant que tu désires l'authenticité. Tu as toujours été authentique. Tu as toujours été vrai. Et ces personnes n'ont pas pu supporter. C'est pour ça qu'elles ont prétendu pendant un moment. Et après, elles ont dû partir. Parce que crois-moi, toutes les personnes fausses de ta vie partiront. Donc je déclare déjà, comme tu écoutes ceci, je commande le départ de toute personne fausse de ta vie. Toute personne qui utilise ton énergie, qui vole ton étoile, qui te distrait, qui fait une distraction de destinée. Au nom de Jésus-Christ. Donc, quand ces personnes sont parties, elles se sont attelées à te montrer que c'était de ta faute. Elles se sont attelées à te faire comprendre. Donc, même ça fait 5 ans, mais quelque part dans ton cœur, il y avait toujours un peu ce « Ah, peut-être que j'aurais dû lui donner des enfants. J'aurais dû être la mère de ses enfants. Peut-être que... » Non, baby girl, ne culpabilise plus. Baby boy, ne culpabilise plus. Tu as fait de ton mieux. Et leur cœur n'était pas pur vis-à-vis de toi. Il y a même des gens avec qui tu n'es pas censé avoir l'enfant. On ne fait pas l'enfant avec n'importe qui. Qui est... Donc, remercie le Seigneur. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, my ancestors. You saved me. Merci à mes ancêtres. Vous m'avez sauvé de cette relation. Maintenant, quand vous allez avoir l'opportunité de vous rencontrer à nouveau, ces personnes seront forcées de venir à toi. They will be forced to come to you. C'est ça un peu pour... C'est ça la justice divine. Et quand elles viendront, tu vas te rendre compte que moi, j'ai avancé. Mais elles sont toujours pareilles. Ils sont toujours au même endroit. Il y a de cela 5 ans, tu me demandais toujours 100 000. 5 ans plus tard, tu es toujours à 100 000 près. Ce n'est pas que tu ne peux pas manquer 100 000 un jour, mais il y a juste l'état d'esprit. Toi, tu as avancé. You're off. You just, you know, tu as déjà tellement avancé. Mais eux, ils sont restés au même endroit. Dieu va te faire voir cela pour te faire comprendre quel atout tu étais dans leur vie. What a blessing you were to them. Quelle bénédiction tu étais dans leur vie. Mais ils n'ont pas vu. C'est à leur détriment. Donc il faut que tu arrêtes de culpabiliser. Tu arrêtes de te sentir mal. Et tu arrêtes d'essayer de les sauver. Parce que si tu laisses l'opportunité, they're going to creep back into your life. Ils vont revenir mini. Petit à petit, ils reviendront dans ta vie. J'allais dire comme un Congolais qu'une Camerounaise a repris. Mais bon, that's none of my business. Donc, ils vont vouloir revenir dans ta vie, petit à petit. Et quand ils vont revenir, ce sera pour faire pareil qu'avant, si ce n'est pire. Donc, tu les regardes à distance, tu dis, ah tiens, je te souhaite du bonheur. Donc, ça, c'est le moment de vengeance. C'est juste la vengeance, en fait. Et c'est même pas toi qui as commandé la vengeance. Tu n'as même pas besoin de dire retour à l'envoyeur. C'est déjà en place, chérie. Baby girl is already happening, okay? You don't have anything to do. Tu n'as rien à faire. La vengeance divine est en train d'opérer déjà. Reçois.